Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer notre nuancier pour le diamond painting, pour nos perles. Vous avez été quelques-unes à aimer la première vidéo, je suis contente. Ça me fait plaisir. Désolée, je suis essoufflée, j'ai monté mon escalier. J'ai plus 20 ans. Hein. Que voulez-vous ? J'avais mon souci pour les arêtes, mais bon, j'ai réfléchi, ça je vais le corriger presque en dernier, je sais ce que je vais faire, voilà, bon, comme je vous ai dit, hein, vous voyez, hein, si vous allez recouvrir le tissu, si vous avez des papiers plus grands, il y a toujours moyen. Bon, moi là, je me suis un peu débrouillée avec ce que j'avais, c'est vrai qu'en ce moment, on se débrouille avec ce qu'on a. Hein, on n'a pas trop le choix. Donc aujourd'hui, on va faire l'intérieur et il me restera là. Bon, après l'extérieur à refaire, enfin à finir. Voilà la déco. Donc ça, je verrai si je le fais en filmant ou si je le fais hors caméra pour la déco. Mais bon, on verra. Donc aujourd'hui, on va faire l'intérieur. Et donc mettre en même temps nos nuanciers, voilà. Donc vous avez été déjà plusieurs à pouvoir le télécharger sur mon Pinterest et également à me le demander par email. Donc si vous n'arrivez pas à le télécharger sur mon Pinterest, je vous rappelle que vous pouvez me le demander par email. Je vous l'enverrai très gentiment, oui. avec plaisir, je voulais dire, mais bon, c'est pareil. Sinon, voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire l'intérieur. Je suis essoufflée. Et donc, alors, pour les extérieurs, tout ça, je vais certainement quand même utiliser mon papier scrap. Mais bon, d'une autre façon, du coup, je verrai comment ça va aller. Voilà. Mais c'est vrai que là, les dimensions sont un peu grandes pour les feuilles de scrap. Et comme vous avez vu, au moment du pliage, c'est un papier qui n'est pas top. Hein. Une fois, pour le plier, il casse, il se coupe même. Donc, mais bon, il y a moyen de se débrouiller. Voilà. Allez, on va changer la caméra de place et puis on va attaquer. Allez, à tout de suite. Alors voilà. Donc, on va faire les intérieurs. Donc, pardon, pour aller un peu plus vite, j'ai préparé mes découpes, hein, parce que, bon, la dernière vidéo était un peu longue et je ne voulais pas vous refaire une vidéo aussi longue. Donc, là, j'ai préparé déjà ce que je vais mettre sur les charnières. Voilà, ici, ici et ici. Donc, ça fait 29 sur 11, si je ne me trompe pas. Oui, sur 10,5 environ. Voilà. Donc, ici au milieu, on a 4 cm pour celle du milieu, bien sûr. Donc, ça nous fait à peu près un peu plus de 3 au bord. 3,2. Bon, j'ai fait un peu comme ça au pif, mais le principal, ouais, 3,2. Et là, on a 4, hein, au milieu pour faire le pli des charnières. Là, bon, là je suis pas du tout au milieu, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas le principal, c'est que donc du 10,5, mais là au milieu j'ai à peu près 2 cm. Voilà, et pareil pour celle-là. Donc comme ça va recouvrir ici. Ici et ici. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Je vais déjà faire un petit pli un peu. Marquer mon premier pli. Donc avec ma colle. En fin de compte, ici, j'utilise que la colle pour l'instant.
Oh, pardon, je vous ai caché. Là, de l'autre côté. Et maintenant, je peux coller ça. Si la colle dépasse, c'est pas grave, puisque là, après, on va coller une feuille. Voilà. Maintenant, je vais coller celui-là. Et le dernier, donc on va marquer les plis. Ça sent bon la cuisine. J'ai mon chouchou qui est en train de faire à manger. C'est bien ça. Je bricole et pendant ce temps-là, chouchou fait à manger. Je sais plus ce qu'il prépare. Enfin, je sais qu'il prépare du poulet au cookéo, mais je ne sais plus quelle recette. Non, glisse pas. Voilà, et la dernière,
Voilà. Alors, ensuite, donc, il va nous falloir donc coller les autres pages. Donc là, c'est 29 sur 20. À peu près. Je crois que j'ai un millimètre en trop, donc je vais le recouper un tout petit peu. Oui, je vais recouper un tout petit peu sur le côté, un tout petit peu en bas. Je vais enlever 1 ou 2 millimètres. Voilà. Sur chaque feuille. Donc là, j'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5 et 6 feuilles pour recouvrir les intérieurs. Donc je vais recouper tout de suite. Donc voilà comment on va positionner nos feuilles. Donc là, je vais mettre quand même du double face sur le bord. Alors, si j'arrive à l'attraper. Oh, voilà. Et je vais remettre de la colle au milieu. Et donc, on colle bien entre les deux charnières et au bord. Voilà, et on fait comme ça avec toutes les feuilles, bien sûr. Voilà, pareil ici. Voilà. Allez, je fais le reste. Donc, il en reste 4 à poser. Et on se retrouve tout de suite. Bon, voilà. J'ai tout recouvert. Alors, j'ai les petits défauts, mais bon. Pas de soucis. Pour moi, je m'en fiche. Alors, j'ai pas retrouvé ce que je voulais mettre au bord. Alors, je vais essayer avec mon washi, là. J'espère qu'il va bien coller. Parce que les washi, souvent, ça colle pas toujours très très bien. Donc, on va voir. Donc, on va démarrer. On va démarrer d'ici. Je ne suis pas sûre que ça colle bien, c'est ça le problème.
Ça m'embête parce que du coup, j'ai pas ce que je voulais. Celui-là a l'air de coller déjà, on verra. Bon, voilà, c'est déjà plus joli. Donc là, on va coller les papiers. Ah, je vais tomber les nuanciers. Donc les nuanciers vont venir comme ceci. Un, deux, trois, quatre. Et le cinquième viendra derrière. Donc on va d'abord coller les nuanciers comme ça. C'est fait. Donc là, pour les coller, je ne vais pas mettre de la colle. Je vais mettre du double face. Parce que j'ai peur que la colle, ça passe à travers. Maintenant, la deuxième, la troisième ici, la quatrième et la cinquième ira là. Alors, j'ai mis mon scotch, enfin mon double face. Thank you.
Voilà. Donc, les nuanciers sont collés. Donc, vous pouvez aussi, c'est les plastifier avant de les coller. Et dans ce cas-là, vous collez les perles ben, sur le plastique. Mais bon, c'est bien comme ça. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à faire la décoration. Donc, on va passer le ruban, on va décorer. Puis, on l'aura terminé. Voilà. Donc voilà, maintenant donc il vous restera après ben, à coller vos perles hein, dans le carré blanc. Et comme ça, ben, vous aurez votre nuancier sous la main. Et vous saurez, ben, vous pourrez repérer les perles comme je vous avais expliqué. Voilà. Alors, je vais voir si j'ai envie de faire quelque chose. Donc là maintenant, il faut que je mesure le milieu. Alors, le milieu de 29, non, 14 et demi. Alors ça c'est pour le ruban. Hein. Alors le ruban, je sais pas, je vais voir ce que je vais mettre. C'est une partie des rubans que j'ai, mais... Je vois si j'ai assez de celui-là. Donc, on va d'abord mettre du double face.
endroit. Bon, tant pis, je vais laisser. Je couperai ce qui est en trop après. Voilà. Et maintenant, je vais choisir mes papiers que je vais mettre au-dessus. Alors, j'ai dit qu'il me fallait 19. Sur 28, je pense que ça devrait aller. Alors, on va voir ce que ça donne. Oui, ça me va. Donc, on va faire l'autre. 19 sur 28. Thank you.
Et on fait pareil sur le dos. Voilà, pour l'instant. Donc là, je mettrai un diamond painting. J'en trouve un petit. Là, on va finir par décorer le devant. Là, derrière, non, ça suffit, on laisse comme ça. Allez, on va commencer à décorer un petit peu. Là, vous faites comme vous voulez pour décorer, hein. C'est votre choix. Alors, un papier, on va prendre un sopalin.
Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, je trouverai un petit diamant de painting à coller, à faire et à coller. Des petites décos en fleurs. J'adore ces petites feuilles. D'ailleurs, là, mon stock commence à diminuer. Les petites boules comme ça, j'aime beaucoup aussi. Ne faites pas comme moi, hein, si vous n'avez pas l'habitude. Moi, je fais ça directement sur mes doigts pour voir si mon pistolet est assez chaud. Mais bon, j'ai l'habitude, mes doigts sont habitués. Si vous, vous n'êtes pas habitué, ben, ne le faites pas parce que vous allez crier caïque. Vous voyez, des petits pistils comme ça aussi, j'aime beaucoup. Je pensais en avoir des bleus, des pistils. Non, j'ai des roses, des blancs, des roses foncées, des dorés. C'est chaud.
cochotte, c'est bien, alors ça fait des fils. Celui-là. Voilà, voyez. Et toutes les capsules que j'ai faites. Oui, c'est fait avec des capsules de bière, pour celles qui ne connaissent pas.
Allez, presque fini. Enlever le pistolet à colle. Voilà ma déco extérieure. Voilà, toute simple. Je n'ai pas besoin de plus, ça me suffit. Donc maintenant, ce qu'il va me falloir, voilà, c'est coller les perles. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je vais prendre mes perles. Donc moi, voilà ma réserve de perles. Voyez. Donc ça, c'est pareil, je ferai une vidéo, on refera un rangement de perles, parce que là, bon, c'est pas optimum. Alors, on va prendre un peu au hasard. Mais je vais essayer de pas rentrer sur cette page là puisque c'est la première que j'ai là. C'est des grands. 948. J'avais mon double face quelque part. Voilà, ça y est, ça commence à être le boxon sur la table. Donc voilà. Alors, le 823. On va prendre un petit bout. Je vais coller un petit bout. Alors, le souci, c'est que j'ai pas sous la main. Alors, j'ai où stylo, stylo, stylo. J'en ai mis où? Bon, ça y est, je vais me débrouiller autrement. Ah, bah, j'ai une pince là. Je ferai avec la pince. Bon, celle-là, c'est pas la meilleure, mais. Alors, j'ai dit où? Là. Alors, j'avais dit d'en mettre 4 ou... Mais c'est vrai qu'ils sont... C'est tellement petit... Donc voilà ce que ça vous donne.
Bon, faites pas comme moi, prenez un plateau hein, la prochaine fois. Lady 948. Voilà, je ne vous en fais que 2-3, hein, c'est tout pour vous montrer. Donc, j'ai encore perdu mon double face. Donc voilà. Donc pendant vos longues soirées en ce moment de confinement, vous pouvez coller donc vos perles sur votre nuancier. Voilà ce que ça donne. Donc si vous voyez que vous avez mis un peu trop de... comme moi ici, bon, il suffira que je découpe un tout petit peu ma colle. Et que je la retire, mais je le ferai après. Voilà. Là, j'en ai pas mis trop, j'ai coupé à moitié. Sinon, vous faites avec de la colle, vous voyez. Donc là, vous voyez, il me reste de la place, du coup, pour mettre des ronds. Si j'ai des ronds. Comme ça, ça me permet ben, de faire qu'un seul nuancier. Rond et carré. Alors, maintenant, on va le refermer. Voilà. Pour voir le ruban, c'est parce que j'ai mis trop de bras de longueur. Oh, peut-être pas. Voilà. Ça va. Voilà, je suis de retour. Donc voilà, le nuancier. J'ai fait très simple hein, sur la couverture. Bon, derrière, j'ai rien mis. Mais voilà, donc devant... Alors, avec le petit nœud, voilà, le washi hein, qu'on a remis tout autour. Et donc, ici à l'intérieur, donc, je ferai un diamond painting. Voilà, donc ça, c'est la page 5. Et donc, voilà. Comment et notre diamant notre nuancier et ici comme vous avez vu on a commencé donc alors je vais essayer voyez, hop et ici en bas à coller des perles pour vous montrer comment faire. Donc voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu. Hein, que vous allez en refaire un, dites-le moi. Alors si vous en refaites un, ben, si vous êtes sur mon Facebook, ben, envoyez-moi les photos. Si vous n'êtes pas sur mon Facebook, ben, envoyez-le moi par email. Je serai contente de voir
ce que vous avez fait. Sinon, bah, dites-moi si vous l'avez fait tout simple, hein, si vous avez juste imprimé et remis dans des pochettes. Voilà. Donc, ce tuto est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très rapidement donc pour de nouvelles vidéos. De nouvelles aventures et plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.